le 16 septembre, on est en train de manifester devant la résidence, enfin l'hôtel du dictateur Guélé, qui est venu faire une petite promenade en Belgique. L'USN, le FRUD et des associations sont aujourd'hui venus ici pour protester contre sa venue. Il prétend régler la question somalienne que toute la communauté internationale a du mal à solutionner. Il profite de projets et des aides des organisations internationales apportées à la Somalie pour nous tuer, nous torturer jour et nuit. We come here today to show our support to the people of Djibouti who are suffering at the moment. We want to show around the world and to the international community what's going on in Djibouti. Pour lui, il n'y a que deux sortes de gens, les dominants et les dominés. Les dominants étant sa hauteur de cour et lui-même. Et les dominés, tout l'ensemble de la population djiboutienne, dont 90% sont au seuil, sont au-dessous du seuil de la pauvreté. Je rappelle que le dictateur n'a pas voulu nous attendre et a arrêté la négociation. Donc le dialogue est rompu et c'est grâce à lui. Hein. Et alors que le Parlement européen a demandé qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait la libération de tous les prisonniers politiques et qu'ils mettent fin aux exactions contre les femmes et contre toutes les personnes, il a refusé de libérer les prisonniers politiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les dialogues sont interrompus entre l'USN et le gouvernement de Djibouti. Je vois un message de toutes les femmes de diaspora que l'USN reste soudée car l'appareil UMP essaie de diviser toutes les parties coalisées. Le Facebook est là pour partager des idées, pas des idées noires mais des idées démocratiques. Voilà. Democracy does not exist in Djibouti. Democracy is dead. There is no opposition. The opposition has been killed by the president. And we would like to tell the whole world that democracy in Djibouti is in dire need for help, especially against Djibouti dictatorship, Mr. Ismaïl Omaré. So this is the message from England, the diaspora of Djibouti, to the world that we need help. Voilà ce qu'on veut. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And we want to show also our solidarity to our leader, to our militants who are in Djibouti, that we are behind them and we are not giving up easily.